Sur la convocation de Monsieur le Principal, le Conseil de discipline s'est réuni en séance extraordinaire. Le 10 novembre 1952, à 16h. Dans le cabinet de Monsieur le Principal. L'élève W. Marcel de Reuchteig, classe de 6e classique, s'est présenté ce même jour à 11h au bureau de Monsieur le Surveillant Général. Et a remis à Monsieur G, chargé de la surveillance générale, une dynamo. Une dynamo qu'il prétendait avoir trouvée le jour précédent en arrivant au collège vers 8h. Avoir trouvé cette dynamo sous un tas de feuilles mortes dans la cour du collège. Pressé de questions pour savoir pourquoi il ne remettait l'objet en question qu'aujourd'hui, alors qu'il le détenait depuis hier matin, l'élève a essayé de se justifier par des mensonges. Acculé, et sachant d'autre part qu'une enquête était en cours, il finit par avouer. Avouer avoir lui-même dévissé le 6 courant à 12h15, alors que la cour était déserte, cette dynamo de la bicyclette appartenant à l'élève K. Lydie, classe de 6e M de Ringendorf, dans l'intention de se l'approprier pour son usage personnel. Traduit devant le conseil de discipline, l'élève W. Marcel a avoué les faits. Il a ajouté qu'il s'était caché entre 12h et 12h15 dans les WC, en attendant que tous les élèves aient quitté la cour. C'est alors que, muni d'un tournevis, il a dévissé la dynamo en question. Il a avoué aussi avoir emporté le tournevis de chez ses parents, dans l'intention de s'approprier une dynamo, sans savoir encore à ce moment-là sur quelle bicyclette il la prélèverait.
garder la dynamo chez lui, a essayé de la fixer à la bicyclette de son frère. Mais, voyant qu'il ne pouvait l'y adapter, il l'a rapporté le lendemain matin. Toutefois, en apprenant mercredi midi qu'une enquête était en cours et que deux élèves avaient été interrogés, l'élève W. Marcel prit peur et se décida à remettre la dynamo qu'il retrouva à l'endroit où il l'avait cachée vendredi matin. Le conseil de discipline, considérant qu'il se trouve en présence d'une affaire de vol avec préméditation et que l'élève ne manifeste pas le moindre regret concernant son acte, décide d'exclure l'élève de l'établissement à compter du 12 novembre 1952. La séance est levée à 16h38.